t'élevons, nous t'élevons au-dessus de tout. Fais-le avec moi, comment c'est? Nous t'élevons. One, go! T'élevons. Yeah, c'est. Nous t'élevons au-dessus de tout. C'est Jésus que nous venons élever en cet instant. C'est nous t'élevons. Seigneur, t'élevons au-dessus de tout. Il n'y a que lui qui est digne d'être levé dans nos vies. C'est nous t'élevons. T'élevons. Come on, say. T'élevons. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Jésus est. Yeah. Dis-le encore. Nous t'élevons. T'élevons. J'ai
devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, oh, et le sang versé pour moi. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau immolé, immolé. Alléluia, l'agneau de Dieu immolé, Jésus, l'agneau de Dieu immolé, oh, 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 oh. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Son amour est à jamais ma reconnaissance. Oh, oh, oh. De la vie qu'il a donnée, oh, à la vie qui brûle en moi. Oh, son amour, son amour est à jamais ma reconnaissance pour moi. Louange, l'univers, l'univers crie sa majesté.
Salut, c'est Pasteur Frédéric. Bienvenue à l'église La Liberté Live. Et si tu nous suis déjà depuis un petit temps, tu as pu constater que depuis quelques semaines, on parle de quoi ? On parle de prière et de vision. On parle de la vision de l'église La Liberté Live. Et pourquoi on fait ça ? Parce que c'est très important en tant qu'église de savoir qui on est et de savoir bien sûr où on va. Et on se rappelle avant toute autre chose, quelle est la mission de La Liberté Live. Alors si toi, ça fait déjà un temps que tu nous suis, toi tu fais partie de l'église La Liberté Live, il faut que tu connaisses absolument cette mission. Il faut qu'on puisse te réveiller pendant la nuit et te dire « Hey, quelle est la mission de l'église La Liberté Live ?» Et tu peux le dire sans hésiter, La Liberté Live existe pour que je puisse connaître Jésus-Christ, que je puisse vivre libre, que je puisse découvrir qui je suis et que je puisse marcher dans ma destinée. Ça, c'est la mission de l'église. Ok, donc la mission, en résumé, c'est quoi la mission ? Mais la mission, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. La mission, c'est vraiment l'essence même de tout ce qu'on fait. Et à l'Église, on croit vraiment que c'est tellement important, oui, de connaître Jésus-Christ. Ça, c'est le fondement, c'est la base. C'est ce qu'il y a de plus important. Accepter Jésus-Christ dans nos vies, c'est la décision la plus importante qu'on peut prendre au cours de notre vie. Mais ensuite, on veut vivre libre, oui. On veut vivre libre parce qu'on pense qu'il y a vraiment une liberté qu'on peut expérimenter seulement en Jésus-Christ. Ensuite, on veut pouvoir, bien sûr, découvrir qui on est. Dieu a placé des dons et des talents en nous. On veut pouvoir les découvrir. Et on veut, bien entendu, également ne pas s'arrêter là. Juste, oh, ok, je connais mes dons, je connais mes talents, je m'arrête là. Non, 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 on ne veut pas s'arrêter là. On veut aller plus loin et on veut marcher dans notre destinée. Ok, ça c'est la mission, mais nous avons aussi une vision et je vais la parcourir de manière très, très, très rapide. Comme ça, tu vas pouvoir voir en fait, on va où nous en tant qu'Église, parce que c'est important de savoir où on va, n'est-ce pas ? La vision de l'Église à Liberté Live, premièrement, c'est une Église pour ceux qui veulent investir dans la jeunesse. Nous, on pense que c'est vraiment primordial d'investir dans la jeunesse. On pense que chaque personne, peu importe son âge, a quelque chose à transmettre aux plus jeunes. On veut être aussi une église qui vit le réveil de l'intégrité. On pense que Dieu a démarré un réveil qui touche en ce moment la francophonie. Et on pense que ce réveil, la marque de ce réveil-là, c'est l'intégrité. Faire la bonne chose même quand personne ne regarde. Et ce réveil va être vraiment très clair. On va voir des hommes et des femmes qui vont se lever et qui vont décider de marcher dans l'intégrité et de manifester l'excellence de Dieu dans tout ce qu'ils font. L'intégrité et l'excellence, c'est une marque du réveil qui est en cours dans la francophonie. On le croit et on ne prie pas pour le réveil, nous vivons le réveil, parce que le réveil, ça commence par nous-mêmes. C'est aussi une église où je viens comme je suis. Comme tu sais, à La Liberté Live, tu viens comme tu es. Tu viens avec tes doutes, tu viens avec tes craintes, tu viens avec ce que tu crois, tu viens avec ce que tu ne crois pas, tu viens avec l'apparence que tu as, tu viens... comme tu es. Il n'y a aucune limite à ça. Tu viens juste comme tu es parce qu'on pense que c'est vraiment ce climat qui permet qu'on puisse recevoir la grâce de Dieu qui transforme. C'est aussi une église qui crée de la musique qui nous rapproche de Dieu. Avec Joël Bombay, Eunice Bombay et toute notre équipe de louanges, on a vraiment ce privilège de pouvoir composer des chants, de pouvoir amener des chants nouveaux qui vont nous rapprocher de Dieu. C'est aussi une église où on vit la communauté, que ce soit en ligne ou dans ta ville, tu vis la communauté en ligne. On a nos petits groupes qu'on appelle les rendez-vous, qui se rencontrent chaque semaine et qui continuent pendant la semaine aussi à discuter les uns les autres. Tout le monde parle pendant la semaine. Il y a vraiment une super communauté qui se développe en ligne et aussi en présentiel dans différentes villes. Donc, c'est vraiment cette idée de vivre la communauté. On pense que c'est important. L'Église, ce n'est pas juste nous et Dieu, et puis les autres, on ne les regarde pas à gauche, à droite. Non, c'est on est ensemble. On est ensemble, et il y a quelque chose qui se passe quand on peut vivre notre foi ensemble, quand on prie les uns pour les autres. C'est quelque chose qui est très, très fort que nous voulons vivre à l'Église à Liberté Live. L'Église à Liberté Live, c'est aussi une Église où notre potentiel, il est révélé et développé. On pense vraiment, on le pense, qu'en toi, il y a un potentiel. Et ce potentiel-là, il ne doit pas rester juste un potentiel. Il faut qu'il puisse s'exprimer. Il faut qu'il puisse fleurir. Il faut que tu puisses impacter ton environnement et on veut t'aider à y parvenir. C'est aussi une église où on développe notre leadership. On pense que Dieu va susciter, à partir de l'église de la Liberté Live, des références mondiales dans leur domaine. Peu importe ton domaine, on pense que Dieu va t'élever, pas pour ta gloire, mais pour sa gloire à lui.
parce que Dieu veut pouvoir placer des personnes à des positions d'influence dans le monde, et ça va se faire, nous allons le voir. C'est aussi une église où on sert la communauté. On veut regarder qui sont les personnes les plus vulnérables et on veut aller les servir. Et la Liberté Live, c'est aussi l'église qui vient à toi. Que tu sois en ligne ou dans ta ville, il y a toujours une place pour toi à la Liberté Live. Donc ça, ce sont des choses qui ont déjà été expliquées. On en a déjà parlé dans différents talk shows. On en a parlé dans certains messages aussi dans les dernières semaines. Donc, toi, si tu es un peu familier avec la Liberté Live, ben, tu connais la mission. Tu connais aussi la vision. Si c'est la première fois que tu entends ça, tant mieux. C'est une bonne chose. Si tu l'entends pour la 12e, 3e ou plus, c'est une excellente chose aussi. Parce que c'est très important que ça puisse rentrer vraiment, qu'on puisse vraiment l'intégrer. Parce que ce qu'on aura bien intégré, eh bien, on va pouvoir bien le refléter dans nos vies, dans notre vie de tous les jours. Il y a la mission, oui. Il y a la vision, oui. Mais il y a aussi les valeurs. Et ça, c'est ce que je veux voir avec toi aujourd'hui. Les valeurs. Les valeurs, c'est primordial. La mission, c'est ce qu'on fait. La vision, c'est où on va. Mais les valeurs, c'est le cadre qu'on se fixe pour pouvoir accomplir cette mission. C'est pour pouvoir voir la vision se réaliser. On a besoin d'avoir un cadre. On a besoin d'avoir un ensemble de choses où on met ça en commun. On dit voilà, ça, c'est la manière avec laquelle nous, on va servir Dieu. Les valeurs, en fait, on pourrait l'appeler aussi la culture. On retrouve ça d'ailleurs même dans chaque famille. Chaque famille a ses valeurs. Dans une famille, on va dire « Ah, mais ça, c'est vraiment important. » Dans une autre, on va dire « Ah, mais nous, c'est à propos de ça. Ça, c'est très, très important. » Et les valeurs, c'est tout ce qu'on s'est fixé comme cadre, vraiment. Nous, en tant qu'Église, la Liberté Live, pour avancer, pour ne pas perdre de temps, pour foncer et vraiment pouvoir avoir beaucoup d'impact, nous voulons voir cette vision prendre vie progressivement pour pouvoir toucher un maximum de personnes, pour qu'un maximum de personnes puissent connaître Jésus-Christ. Alors, ce que je veux faire, c'est que je vais parcourir les différentes valeurs de l'Église à Liberté Live. Et ça va être bien parce que ça va être un sujet de discussion, je pense aussi, même dans ton entourage, tu vas pouvoir en parler avec d'autres personnes. Je pense que chacun des points de valeur ici, quand on les vit, quand on parvient à vivre ces valeurs-là, non seulement en tant qu'Église, oui, c'est sûr, on va aller plus loin, on va accomplir plus, mais dans ta propre vie aussi, toi qui m'écoutes en ce moment, ça va changer beaucoup de choses. Si ces valeurs-là, tu les intègres et tu en fais des habitudes de vie. La première valeur de l'Église à Liberté Live, c'est que la seule limite, c'est celle que Dieu fixe. Je crois que tout est possible. La seule limite est celle que Dieu fixe. Je crois que tout est possible. On se limite trop souvent, il faut se le dire. On se limite trop souvent. Notre background, notre parcours, nos finances, les contacts qu'on a ou qu'on n'a pas, les diplômes qu'on a ou qu'on n'a pas. On se limite. On passe notre vie à se limiter. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que ce soit la limite que lui place, pas celle qu'on place. Alors, on ne va pas s'arrêter au 1 sur 10, alors que Dieu veut nous emmener au 10 sur 10. On ne va pas s'arrêter au 2 sur 10, alors que Dieu veut nous emmener au 10 sur 10. Autrement dit, ne place pas la limite dans ta vie à la place de Dieu. Peut-être que Dieu t'appelle à faire des choses que personne n'a jamais fait. Dans ta famille, parmi tes amis, eh bien, si Dieu t'appelle à ça, ça va se passer. Ne te limite pas. La seule limite est celle que Dieu fixe. Crois que tout est possible. En numéro 2, on a la prière. La prière. La prière est notre premier réflexe. Je remets tous mes projets à Dieu. Tu as vu, dans chacun de nos points de valeur, d'abord, il y a un énoncé général et ensuite, il y a une application. Comment est-ce que moi, je veux le vivre dans ma propre vie? Comment est-ce que toi, tu peux le vivre dans ta propre vie? La prière est notre premier réflexe. Je remets tous mes projets à Dieu. La prière, en fait, on ne veut pas l'utiliser juste comme dernier recours. Quand tout va mal, quand tout est désespéré, « Ah, Seigneur, viens à mon secours !» Oui, il est là à ce moment-là aussi. Mais on ne veut pas attendre ce moment-là. On veut remettre tous nos projets à Dieu dès le début. Dès qu'on commence quoi que ce soit commencer notre journée, que ce soit commencer une rencontre qu'on va avoir, peut-être un meeting que tu as à ton travail, que ce soit dans tes activités familiales, que ce soit dans les projets que tu développes, que ce soit dans toute autre chose, tu commences par prier. Je sais que ce n'est pas toujours possible de prier à voix haute en fonction des environnements dans lesquels on est, mais même dans ta tête, tu peux prier même 2 secondes. Tu commences, par exemple, tu es en train de travailler, tu vas commencer une rencontre importante, tu pries, tu dis « Seigneur, dans ta tête, tu dis « Seigneur, voilà, je vais commencer cette rencontre, je veux que ce soit à ta gloire, je te remets tout, je sais que tu es avec moi. »
Amen. Voilà, et tu commences. Donc, dans les petites choses comme dans les grandes choses, on veut se souvenir que la prière, ce n'est pas le dernier recours. C'est notre premier réflexe. Aussi, à la Liberté Live, ça, c'est notre troisième point, l'intégrité est notre standard. Je fais ce qui plaît à Dieu, même quand personne ne regarde. Alors là, je ne suis pas en train de dire que je suis parfait. Je ne suis pas en train de dire que l'équipe de la Liberté Live, on est tous parfaits. Je ne suis pas en train de dire que chaque personne qui va assister à la Liberté Live va être parfait. Parce que la réalité, c'est que le seul qui est parfait, c'est Jésus-Christ. Nous, tant qu'on est encore dans ce monde, on est imparfait et on pêche tous les jours. Mais ce n'est pas pour ça qu'on veut se laisser aller. Ce n'est pas pour ça qu'on veut se dire, oh, bah, de toute façon, on est imparfait, on pêche tous les jours. Bon, voilà, on va faire notre vie. Non, on veut mener une vie qui honore Dieu. Et l'intégrité, c'est quelque chose qui honore vraiment Dieu et qui déclenche beaucoup de choses très positives dans notre vie. Alors, on veut se le rappeler que l'intégrité, c'est notre standard. L'intégrité, ce n'est pas un jour sur deux. L'intégrité, ce n'est pas juste une fois de temps en temps. L'intégrité, c'est un standard, c'est une façon de vivre. Très important de pouvoir l'assimiler. Et tu peux commencer aujourd'hui, là où tu es. Tu dis, bon, OK, je décide de faire ce qui plaît à Dieu, même quand personne ne regarde. OK. Peut-être que là, il y a des choses qui te viennent en tête. Tu dis, ah ouais, là, peut-être, ouais. Là, j'ai peut-être un petit manque d'intégrité. Là, je ne fais peut-être pas vraiment les choses comme Dieu voudrait que je les fasse. OK, ben, écoute, aujourd'hui, tu peux commencer. Aujourd'hui, ça peut être aussi un nouveau départ. Point 4 de nos valeurs à l'Église à Liberté Live. La générosité est notre style de vie. Je crois fermement qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En tant qu'Église, on veut être généreux. On ne veut pas être insensible à ce qui se passe dans ce monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont difficiles. Et en tant qu'Église, on veut être généreux. On veut pouvoir venir au secours de la veuve, de l'orphelin. On veut pouvoir aider avec les moyens que nous avons. On veut pouvoir faire quelque chose. Que ça soit de pouvoir aider en servant, en allant sur le terrain, en allant visiter des personnes, et aussi financièrement. Et c'est un principe, en fait, que Dieu nous appelle tous à vivre. Et toi qui nous écoutes aussi, c'est important, la générosité vis-à-vis de ton église locale. C'est quelque chose qui est très important. Et j'aimais ça, j'avais entendu ça il y a quelques temps, je crois que c'était vraiment bon par rapport à la générosité vis-à-vis de l'église, c'est qu'il faut comprendre qu'on ne donne pas à l'église, on donne à travers l'église. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas d'enrichir une église. L'objectif, c'est de pouvoir donner à travers l'église pour qu'elle puisse bénir toute une série de personnes, pour qu'elle puisse continuer à se développer et à répondre, bien sûr, à ce commandement de Jésus de faire de toutes les nations des disciples. Alors, je t'encourage vraiment à être généreux aussi avec tes finances vis-à-vis de l'église, la Liberté Live. 5, la multiplication est dans notre ADN. Waouh! Et l'illustration, comment est-ce qu'on veut le vivre? Je suis toujours en train d'investir et de former quelqu'un. Ça, c'est la pensée du royaume. La multiplication. On est là pour multiplier. On est là pour faire de toutes les nations des disciples. Si on est là pour ça, ça veut dire qu'il va falloir quand même multiplier beaucoup. Et pour multiplier, il faut former. Il faut prendre le temps. Alors moi, le défi que je te lance, c'est identifie une personne et commence à lui enseigner quelque chose, commence à lui apprendre quelque chose, parce qu'on veut être des personnes où on ne garde pas juste les dons et talents que Dieu nous a donnés pour nous jalousement. Non, on veut former d'autres personnes. On veut pouvoir aiguiser les talents des autres dans les sphères que nous maîtrisons déjà. Je t'encourage vraiment à vivre ça à fond, de former et d'investir aussi dans des personnes autour de toi. 6, le leadership, c'est pour servir les autres. Le leadership, c'est pour servir les autres. Application, je suis un leader serviteur. Je vois mon leadership comme une responsabilité de servir les autres et je demande à tout le monde ce que je peux faire pour aider. C'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'en tant que chrétien, plus on a un niveau élevé de leadership, plus on a la responsabilité de servir les autres. Ce n'est pas un leadership dur, un leadership pour écraser les autres, un leadership pour dire « moi, je suis le boss ici, tout le monde doit me servir ». Non, pourquoi ? Parce que Jésus lui-même a dit qu'il n'était pas venu sur cette terre pour se faire servir, mais qu'il était venu pour lui-même servir. Et il a même été jusqu'à donner sa propre vie. Alors là, c'est un exemple vraiment de service ultime que Jésus nous a donné. On veut vraiment vivre ça à fond. On veut que notre leadership, ça soit pour servir les autres. 7, intéressant aussi, le travail prépare notre réussite. Je travaille fort et je veux voir des résultats.
je travaille fort et je veux voir des résultats. Le travail, c'est super important. C'est super important. En tant que chrétien, trop souvent, on se cache. Littéralement, on se cache derrière la grâce de Dieu. Ah, bon? Alors, oui, ça va se passer par la grâce de Dieu. Oui, oui, j'y arriverai par la grâce de Dieu. Oui, on pourra atteindre cet objectif par la grâce de Dieu. Oui, c'est vrai. Dans un sens, c'est vrai. Parce que tout est grâce. Tout est grâce. Tout est le produit, le fruit de la grâce de Dieu. Mais en même temps, il ne faut pas se cacher derrière la grâce de Dieu et ne pas travailler. Il ne faut pas se cacher derrière la grâce de Dieu et trouver ça comme une excuse pour ne pas travailler. Exemple, oui, je vais réussir mes études par la grâce de Dieu, mais tu n'étudies pas, tu ne vas pas au cours, tu ne regardes pas tes syllabus. Non, ce n'est pas possible. On a notre part à jouer. Et bien sûr, à partir du moment où on fait notre part, eh bien, c'est sûr que Dieu, lui, y fait la sienne. Mais c'est très important de comprendre que le travail prépare notre réussite. En tant que chrétien, ne nous cachons pas derrière des beaux discours spirituels en disant que Dieu est au contrôle, c'est par la grâce de Dieu. Non, 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 non. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut être persévérant. Si, par exemple, toi, tu as vécu des épreuves récemment sur le milieu de travail, que ce soit aussi au niveau de tes études, persévère, continue, lâche pas. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu vas faire la même chose toute ta vie, mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une mentalité à développer. Sois passionné dans ton domaine. Trouve un domaine qui te passionne. Sois persévérant et travaille. Travaille sans relâche et tu vas voir que ça va porter beaucoup, beaucoup de fruits. Point 8, l'excellence honore Dieu. J'accomplis toutes les tâches avec rigueur. Alors là, alors là, alors là. Moi, ce que je refuse en tant que pasteur de l'Église à Liberté Live, je refuse de faire les choses à moitié. Je refuse de faire les choses sans vouloir les faire à fond. Et en tant qu'équipe à la Liberté Live, on le refuse catégoriquement. On refuse de dire « Ah ben, c'est pour le Seigneur. Alors bon, c'est pas grave si on ne fait pas super bien, il comprendra, hein, c'est pour le Seigneur. » Exemple, on va faire de la musique. On va faire de la musique et puis les réglages, ils sont mauvais, les baffles, ils crachent. Quand on chante, limite, ça fait mal aux oreilles. Et puis, on va dire, ah oui, mais c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Il ne faut pas se casser la tête, c'est pour le Seigneur. Mais justement, si c'est pour le Seigneur, on veut le faire encore mieux, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce qu'on pense à l'Église de la Liberté Live. L'excellence honore Dieu. On veut vraiment accomplir toutes les tâches avec rigueur. 9, l'innovation coule dans nos veines. Je cherche constamment des nouvelles façons d'être plus efficace. On veut innover, mais on ne veut pas innover pour le plaisir d'innover. On veut innover pour être plus efficace dans la mission que Dieu nous confie. 10, célébrer les autres est essentiel. Quand je vois quelque chose de bien, je le dis et je célèbre le succès des autres. Ouh, ça c'est important, non? Célébrer les autres. Célébrer les autres. C'est quelque chose, il faut se l'avouer, on ne le fait pas assez. On est fort pour dire aux autres ce qu'ils n'ont pas bien fait. Mais quand ils font bien quelque chose, souvent, on ne le souligne même pas. On est juste en train à chaque fois de dire « Ah oui, mais peut-être tu aurais pu mieux faire ci, tu aurais pu mieux faire ça. Oui, mais est-ce que tu avais pensé à ça ? Oui, mais là quand même, tu aurais pu. » Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, c'est quand même plus rare qu'on dise « Eh, franchement, ce que tu as fait là, c'était vraiment excellent. Et bravo pour ça. Vraiment, c'était excellent. » On a moins ce réflexe-là quand même. Il faut quand même bien l'avouer, n'est-ce pas? Et nous, on veut refuser en fait cette tendance humaine à juste venir critiquer ou dire ce qu'aurait été la critique. La critique, elle peut être bien sûr positive, constructive, mais on veut aussi souligner les choses qui marchent bien. Donc, on célèbre les autres. On célèbre les autres, on prend cette décision et quand on voit quelque chose de bien, on le dit et on veut célébrer le succès des autres. Je te lance ce petit défi. Aujourd'hui, va parler avec quelqu'un et célèbre quelque chose que cette personne a bien pu faire. 11, on a bientôt fini, on arrive à la fin. 11, chaque problème a sa solution. Application, les tempêtes font partie de la vie. Dans tous les cas, je persévère et je continue à avancer. C'est important ça. De se le rappeler, chaque problème a sa solution. Laisse-moi dire ceci, il n'y a aucun problème que tu vas rencontrer dans ta vie
où Dieu va te dire, écoute, je suis vraiment désolé, je ne l'avais pas vu venir, je n'ai aucune solution, tu vas devoir te débrouiller tout seul cette fois-ci. Non, non, heureusement d'ailleurs. Hein. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu a toujours 10 000, 100 000, 1 million de coups d'avance. Okay? Donc, il n'est jamais surpris. Donc, sache que peu importe ce que tu traverses en ce moment, il y a une solution. Que le problème que tu rencontres en ce moment ne te fasse pas croire ce mensonge qu'il n'y a pas de solution. Il y a toujours une solution. Les tempêtes font partie de la vie, oui. Ça, c'est vrai. Mais dans tous les cas, on veut persévérer et on veut continuer à avancer. Ne t'arrête jamais d'avancer. Même si c'est dur, même si tu traverses une saison plus difficile, continue à avancer. Tu vas voir que cette saison a une fin. Et il y a des choses meilleures qui vont venir. 12. Nous n'avons pas honte de notre foi. Non, nous n'avons pas honte de notre foi. Je parle aux autres, ça c'est l'application. Je parle aux autres de ce que Jésus fait dans ma vie et je les invite à la Liberté Live. Mais c'est ça, nous on n'a pas honte de notre foi. Et on veut vraiment développer. On veut vraiment développer cette habitude-là. Partout où on va, on peut témoigner. On peut témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies. Mais on témoigne aussi beaucoup par notre façon d'être, par notre façon de réagir, notre façon de parler. C'est un grand témoignage aussi. Alors, on veut pouvoir être des bons ambassadeurs de Jésus-Christ. Et partout où on va, on veut pouvoir témoigner de l'amour qu'il a pour nous, de la grâce qu'on a reçue, ce qu'il a fait dans nos vies, comment on a été vraiment changé. On veut pouvoir en parler aussi. Donc, autant dans nos attitudes que dans les choses qu'on peut partager aussi pour encourager les personnes autour de nous, on veut le faire parce que nous n'avons pas honte de notre foi. Donc, n'hésite pas à inviter quelqu'un à la Liberté Live, que ce soit en ligne, que ce soit dans ta ville, dans un petit groupe. N'hésite pas. Invite quelqu'un à nous rejoindre à l'église La Liberté Live. Et je termine avec le 13 qui dit ceci. Nous sommes dépendants de Dieu. Nous sommes dépendants de Dieu. Application. Je suis reconnaissant pour les pasteurs et la communauté, mais c'est sur Dieu que je fais reposer toutes mes attentes. Il faut se le rappeler. Il n'y a aucun pasteur qui est parfait. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune communauté qui est parfaite. Ça n'existe pas. Toutes tes attentes, ne les fais pas reposer sur un pasteur. Ne les fais pas reposer sur une équipe pastorale ou sur n'importe quel leader dans une église. Ne les fais pas reposer non plus sur les personnes que tu côtoies à l'église. Ce n'est pas sur eux que tu dois faire reposer tes attentes. C'est sur Dieu. Oui, on est reconnaissant pour l'équipe pastorale, on est reconnaissant pour la communauté, mais nos attentes reposent sur Dieu. Parce que quand nos attentes reposent sur Dieu et pas sur les hommes, on n'est jamais déçu. Et on peut toujours continuer à avancer, peu importe les obstacles. Si nos attentes reposent uniquement sur les hommes et accessoirement sur Dieu, une fois qu'il y a des problèmes, ça nous met en petits morceaux, ça nous taille en pièces. Et on ne veut pas ça. Donc, on veut se le rappeler, on est dépendant de Dieu et on n'est pas dépendant des hommes. Alors aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai donné vraiment le cœur, l'essence même de l'Église, la Liberté Live. Je t'ai parlé de la mission. La mission, on se souvient, la Liberté Live existe pourquoi ? Pour que tu puisses connaître Jésus-Christ, vivre libre, découvrir qui tu es et marcher dans ta destinée. On a parlé aussi de la vision. Là, c'est où on va. La mission, c'était ce qu'on fait. La vision, c'est où on va. Ensuite, on a parlé des valeurs. Ça, c'est le cadre qu'on se fixe pour voir la vision s'accomplir et marcher pleinement dans notre mission en tant qu'Église. Si toi, ça t'a parlé, tu dis, moi, j'entends ça, ça me parle. Moi, j'ai l'impression que je me reconnais quand même là-dedans. Ça m'interpelle, oui, c'est vrai. Mais laisse-moi te dire que c'est normal. Parce que quand Dieu donne une vision, il ne la donne pas juste à un pasteur, il la donne à plein de gens. Et pourquoi ? Parce qu'il veut que ça bouge, il veut qu'il y ait des choses qui se passent. Il veut que des personnes se mettent ensemble pour le servir et pouvoir impacter l'environnement dans lequel ils sont. Alors, je te lance cet appel à toi. Peu importe où tu es dans le monde, peu importe où tu es dans le monde, il y a une possibilité de servir à l'Église La Liberté Live. Il y a une possibilité de service, peu importe où tu es. Imagine, peu importe ton pays, peu importe ton continent, tu peux animer un groupe de prière de l'Église La Liberté Live. Et en ce moment, on est en pleine phase de recrutement de nouveaux animateurs, de nouvelles animatrices, et on les forme également. Et
on connaît une grande multiplication en ce moment. Juste comme ça, quelques points qui me viennent en tête comme ça, et je veux célébrer ça avec toi. Notre nouvelle saison commence le 1er janvier, donc on la prépare dès aujourd'hui. Actuellement, on a deux nouveaux groupes qui vont voir le jour en Belgique. On célèbre ça. On va avoir un groupe à Bruxelles, on va avoir un groupe à Liège. On a un nouveau groupe qui se réunit aussi en présentiel à Casablanca, au Maroc. On célèbre ça. On célèbre également un nouveau groupe en Biélorussie qui va se réunir en présentiel également. On célèbre un nouveau groupe à Montréal, au Canada. On est reconnaissant pour ça. Et on célèbre plein de nouveaux groupes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui vont se réunir en présentiel. Il y en a encore d'autres et on est vraiment reconnaissant pour ce que Dieu fait. Donc, laisse-moi te dire, si toi, tu dis, ouais, moi, j'aimerais animer un petit groupe de prière, un groupe où on s'encourage mutuellement, où on reparle des messages qui ont été prêchés à l'Église à Liberté Live, on regarde les versets, on regarde ce que dit la Bible, on s'encourage mutuellement, eh bien, laisse-moi te dire que c'est possible. Si tu veux le faire, c'est très simple. Tu vas sur notre site web, www.laliberté.live. Et là, tu vas cliquer tout en haut, il y a un onglet « Rendez-vous », tu cliques dessus et ensuite tu cliques sur « Animer un rendez-vous ». Et là, tu vas pouvoir commencer la procédure pour animer un rendez-vous. Donc, on est vraiment béni, on est reconnaissant en tant qu'équipe pastorale de voir ce que Dieu fait, parce que c'est ça. C'est, comme on disait tout à l'heure, oui, tout est grâce, Dieu fait ça, mais nous, en même temps, on veut travailler. On veut travailler Dieu. On ne veut pas se dire que c'est juste la grâce de Dieu. On veut travailler Dieu. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui entendent ce message et qui se disent « Oui, c'est vrai. Moi aussi, je veux me lever. Moi aussi, je veux travailler Dieu. » Et j'en profite d'ailleurs pour remercier et féliciter tous les animateurs, toutes les animatrices qui sont déjà là. Ils sont actifs. Ils sont actifs sur 4 continents. On a des groupes en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et en Asie. Je sais que ce que vous êtes en train de faire pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas les fruits tout de suite. Oui, on célèbre plein de belles histoires que Dieu fait. Mais c'est un investissement dans la vie d'autres personnes et ça, ça n'a pas de prix. Et vous-même, alors que vous servez fidèlement, alors que vous animez les groupes, il y a aussi une croissance spirituelle pour vos vies. Donc, merci de tout cœur à tous ceux qui sont impliqués dans l'animation de groupes rendez-vous. Et je veux juste terminer en prière pour remettre tout ça devant Dieu. L'Église à Liberté Live, la mission, la vision, les valeurs, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de faire de toutes les nations des disciples. On veut que Jésus puisse être celui qu'une multitude va pouvoir accepter comme Seigneur et Sauveur. On va tout faire pour ça, on va se battre pour ça. Et laisse-moi te dire qu'il y a une place pour toi, si tu veux nous rejoindre, peu importe où tu es dans le monde. On prie ensemble maintenant. Seigneur Jésus-Christ, on est reconnaissant. On est reconnaissant pour ta présence dans nos vies parce que tu es venu changer beaucoup de choses dans nos vies. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Tu as bouleversé nos vies, Seigneur. Et alors que tu as bouleversé nos vies, on ne veut pas rester les bras croisés. On ne veut pas rester à rien faire, Seigneur. On veut te servir. Et alors qu'on veut te servir, Seigneur, c'est important qu'on puisse te servir là où il y a une vision claire. Là où les choses sont claires. Je prie, Seigneur, que tu puisses en ce moment, alors que je prie, donner des convictions à des personnes qui nous suivent, de se mettre en mouvement pour te servir. Que ceux qui se sont déjà mis en mouvement puissent avoir un zèle encore plus grand, encore plus de détermination, encore plus de passion, encore plus de zèle pour te servir. Parce que Seigneur, on veut vraiment te plaire. On veut te plaire. On est à ta disposition. On est là pour toi, Seigneur. On veut te plaire. On veut faire les choses qui te plaisent, Seigneur. Alors guide-nous dans le service. Guide-nous, Seigneur. On est à ta disposition. Et je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, pour cette vision qui n'est pas ma vision, mais qui est ta vision, Seigneur, que tu communiques à plein de gens dans différents pays, Seigneur. On est reconnaissant, on te donne toute la gloire, Seigneur, et on prie vraiment que tu nous fasses cette grâce, qu'on soit toujours fidèles à toi, toujours attachés à ta parole, toujours des gens qui veulent vraiment chercher à faire avancer ton royaume et ton œuvre. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Et c'est en ton nom, Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen.